Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau livre de thé, un nouveau livre de tarot. Cette fois, c'est le livre de Marie-Alfred-Éric Turpot, Le tarot de Marseille, la maîtrise du tarot divinatoire. Voyons ça. Donc le bouquin de Marie-Alfred-Éric Turpot, Le tarot de Marseille, la maîtrise du tarot divinatoire. Alors déjà, le titre, c'est un bouquin qui date de 87. Il est peut-être un petit peu maladroit, parce qu'en fait, on va voir que dans son bouquin, ça parle beaucoup plus de tarot, je dirais pas psychologique, mais de tarot descriptif, qui est un petit peu l'intermédiaire, et c'est vraiment le propos de, enfin, mon intention du pourquoi de la présentation de ce bouquin. C'est-à-dire que on va pouvoir trouver à se faire en fait un compagnon du tarot au quotidien, en tout cas pour soi au départ, dans l'apprentissage, dans la façon d'appréhender le tarot, et puis ensuite, ma foi, de développer le tout dans un tarot psychologique, dans un tarot divinatoire, ou d'arriver à créer des ponts entre les deux. Et ici, bon, c'était peut-être que le titre à l'époque était un petit peu accrocheur, se dire divinatoire, ça donne peut-être envie, il y avait peut-être une saveur un petit peu fumante, je sais pas. Moi, en tout cas, maintenant, c'est vrai que ça fait un petit peu désuet, ça passe peut-être plus trop, surtout que c'est pas, ça correspond pas au contenu du bouquin. Donc, faut pas s'arrêter à ça, déjà. Et donc, si je présente la cocotte, c'est une touche à tout. Elle est, autant elle a écrit sur le yiking, sur les tarots, la géomancie, elle est férue d'iconographie chrétienne, du bouddhisme tibétain. C'est une poétesse, une dessinatrice. C'est une grande amoureuse de Montmartre. Et en dernière page de couverture, on parle évidemment de Marie-Alfred-Éric Turpot. Voilà, elle a révélé dès l'enfance des dons exceptionnels de clairvoyance. En 62, elle commença une formation initiatique originale entièrement basée sur la divination et le tarot. Depuis 78, elle enseigne le tarot dans des cours, des conférences, des séminaires, dont le livre est la synthèse. Elle publie également de nombreux articles dans des revues spécialisées et participe régulièrement à des émissions de radio. Et on sent que c'est, voilà, il y a cet aspect un petit peu bible, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si je regarde le haut de la couverture, ce livre sur le tarot n'est pas comme les autres, et effectivement. C'est un livre pratique qui fait le tour de toutes les questions que vous vous posez. De l'amour, la santé, les voyages, le travail, jusqu'à l'histoire, la philosophie, la cabale. Chaque thème est traité à fond avec de nombreux exemples authentiques et des exercices d'entraînement inédits qui font de cet ouvrage un véritable livre de cours gradué et complet. Et vous aussi, bénéficiez des 25 ans d'expérience de Marie-Frédéric Turpot et devenez un expert en l'art de tirer le tarot en toutes circonstances. En tout cas, déjà, oui, ce qui est bien présenté, c'est que tous les domaines sont évoqués, toutes les questions. Il y a cette dimension de pouvoir interroger le tarot sur tout et tout le temps. Alors évidemment, ça va surprendre, on peut lire ou entendre que le tarot ne se fait que dans certaines circonstances, se pratique d'une certaine manière, etc. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme l'humour, on peut pas rire de tout avec tout le monde, ou le contraire, on peut rire de tout. Voilà, le tarot c'est comme l'humour. Et en tout cas, elle présente beaucoup de choses. Elle propose beaucoup de domaines et
de travailler le tarot en toutes circonstances. En tout cas, c'est vrai que ça présente bien les choses, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle présente d'ailleurs en couverture ? C'est le plan de son bouquin. C'est une croix qui est très sympa, puisqu'en fait, elle évoque déjà tout de suite au début du bouquin qu'est-ce que c'est que cette croix. Elle nous explique donc le pape à gauche, l'empereur à droite, le monde en haut, l'étoile en bas et la force au milieu. Alors, ça vaut le coup pour le fun que je te lise tout ça. À gauche désigne l'origine du contenu de ce livre, un enseignement expérimenté par cours, par article pendant de nombreuses années. Donc le pape, oui. À droite, ça montre le plan du livre, un ordre progressif et permettant d'accéder à la parfaite maîtrise. Le côté carré de l'empereur. En haut, l'aspect spirituel. Tous les aspects de l'homme et de l'univers sont étudiés. Le monde. Donc en haut, tout ce qui est spirituel. En bas, l'aspect pratique, justement, qu'il permet de donner la joie, la paix, l'espérance et la connaissance des secrets de la vie. Donc l'espérance, l'espoir, l'étoile. Et au milieu, c'est obtenu par addition des quatre autres lames, la force, qui montre le lecteur lui-même maîtrisant son destin et choisissant son avenir. Et ce lecteur, c'est vous, qui désormais pouvez éliminer les obstacles et vaincre les dangers. Alléluia. Elle présente son bouquin. Voilà, je trouve que c'est... Ça donne en fait déjà aussi l'idée, c'est que dans son bouquin, pour les trois quarts, c'est basé sur ce tirage en croix, en toutes circonstances, dans tous les domaines. On va pouvoir voir ça. Alors la présentation du chapitrage, en fait, elle le fait sous la forme de quatre verbes. Et ça, elle détaille pas. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle a cette pédagogie de ne pas préciser la profondeur du choix des quatre verbes qu'elle va prendre, alors que ce sont des verbes que tu vas pouvoir retrouver dans l'explication des quatre familles d'arcanes mineures. Donc le tarot, tu sais qu'il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Et les 56, en fait, c'est quatre familles de 14 cartes. Et donc, les quatre familles, voilà, peuvent être traduites par un de ces quatre verbes. En plus, ces quatre verbes, c'est aussi des termes que l'on retrouve dans un chemin initiatique, voilà, etc. Elle n'en parle pas, elle ne rentre pas dans le détail du truc. Mais voilà, pour qui connaît un petit peu le sujet, ça fait sens, en tout cas. Et donc, les quatre verbes, oser, savoir, vouloir, se taire. Et on retrouve ça aussi dans l'arcane majeur du monde, le 21. Alors, je ne vais pas détailler, mais le premier chapitre, on va dire, elle va t'inviter à choisir ton tarot. Et donc, pour ça, elle va présenter, en bonne collectionneuse érudite qu'elle est, tous les tarots qui étaient possibles à l'époque, et de proposer, en fait, un choix adapté à tes goûts. Voilà, que tu puisses utiliser un tarot qui te plaise. Voilà, si tu aimes le noir, tel tarot, si tu aimes le truc un peu médiéval, tel tarot, etc. Et ensuite, elle va parler de la consécration, la magnétisation du jeu que tu auras choisi. Où là, en fait, elle va expliquer comment elle utilise les cartes, comment elle s'en sert, comment elle tire les cartes. C'est-à-dire que pour elle, c'est important de brasser les cartes, de les tourner donc sur une table. Il ne faut surtout pas couper un jeu. Il ne faut surtout pas battre le tarot. Pas de maltraitance. Et elle conseille d'utiliser les cartes de cette façon-là. Éventuellement de ritualiser ta pratique aussi en utilisant une bougie, par exemple. Prenons un verre d'eau après un tirage, en te lavant les mains. C'est après à toi de... Elle, c'est sa pratique. Elle te présente ça. C'est son conseil en bonne praticienne. Moi, je ne vais pas dire que j'ai utilisé beaucoup de bougies.
pas vraiment. C'est vrai que j'utilise le tarot un petit peu partout, que ce soit dans la voiture, dans les toilettes, au boulot, chez moi, etc. Et donc, voilà, peut-être qu'au début, pour bien en fait, s'imprégner, je peux comprendre cette idée de magnétisation, de ritualiser un petit peu tout ça, de se dire c'est mon moment à moi où j'apprends le tarot, où je pratique pour moi, où je pratique pour quelqu'un, un tiers, etc. Et puis après on développe ça, on fait des consultations, etc. On devient professionnel. En tout cas, oui, dans ce petit passage, elle explique une terminologie importante. Enfin, importante, elle fait la différence entre ce que c'est que les cartes, les lames et les arcanes. Moi, à l'époque, quand j'ai pris le bouquin, je l'avais trouvé en brocante en 99, vraiment par hasard, alors que déjà, ça faisait 4-5 ans que je m'intéressais au tarot. J'avais acheté des livres neufs qui étaient vendus et qui présentaient un chapitre sur les 22 arcanes, un qui prenait la moitié du bouquin, un chapitre sur les 56 arcanes mineures qui prenait quasiment le reste du bouquin, et pour finir, on proposait une trentaine de tirages anecdotiques pour la plupart dont je ne me suis jamais servi. Donc ces premiers bouquins que je prenais un petit peu pour découvrir, pour le plaisir, pour le fun, je les ai mis de côté assez vite. Et donc, j'ai beaucoup plus appris avec son bouquin sur l'univers du tarot en général, dans une pratique quotidienne, vraiment pour appréhender l'outil. Et donc, c'est là que j'ai pu savoir ce que c'était. Les cartes, ce sont les bouts de carton. Les lames, c'est l'iconographie, l'image de la représentation qui est faite sur la carte. Et puis l'arcane, c'est la symbolique, le sens profond de chaque tarot, de chaque carte. Alors, dans les bouquins, dans les vidéos, en cours, évidemment, tu entendras ça. Tu entendras la lame de tarot, l'arcane de tarot, etc. C'est à connaître, c'est une petite différence. Après, je parle souvent de l'âme de tarot, mais après ça reste anecdotique, les erreurs sont possibles, et puis mais c'est une distinction qu'il faut, voilà, faut pas s'inquiéter si tu entends parler d'arcane, c'est quoi. Enfin, déjà on peut dire que on dit un arcane et pas une arcane, hein, au passage. C'est bien joli d'employer des termes un petit peu sulfureux. Arcane, c'est pas quelque chose qu'on entend au quotidien. Et si en plus on le dit et on le prononce ça mal, si on dit une arcane, moi ça me fait sourire. Je préfère qu'on dise carte de tarot. Lame de tarot, ça a un petit peu plus de finesse. Voilà. Et donc après, Marielle Frédéric, elle rajoute après à ce choix de tarot, cette consécration de tarot, elle te propose trois tirages principaux. Le premier, c'est un tirage en trois cartes et qui côte à côte. Et c'est un tirage qu'on voit souvent en fait chez les praticiens en tarot psychologique. Et là, en fait, dans une approche plutôt descriptive, tu peux travailler sur l'image, le sens des regards, la gestuelle, les lignes de chaque image. Et de raconter une histoire. C'est un tirage qui est conseillé. Elle en fait juste l'évocation. Elle parle aussi du tirage en croix, le tirage en cinq lames, celui que on voit en couverture. Et elle parle aussi d'un tirage en 12 maisons. Les fameuses 12 maisons qu'on peut retrouver en astrologie. Et là aussi, c'est juste une évocation. Elle poursuit après en parlant de comment faire une consultation, comment ça se déroule. Et elle explique ça très bien. Et elle termine avec un conseil pédagogique que j'aime beaucoup, que j'ai appliqué à moi au début. C'était de noter systématiquement chaque tirage que je faisais.
Donc j'avais un cahier pour les tirages, et puis elle conseillait aussi d'avoir un deuxième cahier, un cahier de notes. Et ce cahier, moi je l'avais au pied de mon lit. En fait, dès que j'avais une méditation, souvent en fait en fin de journée, voilà, quand je faisais un tirage pour moi dans mon lit, ou quand je regardais une carte et voir comment elle me parlait, et ben je notais tout ça. Ou même des fois je me réveillais la nuit sur une impression, un ressenti, une petite méditation. Parfois c'était un petit peu stimulé par le fait de poser une carte sur ma table de chevet aussi. Et ce cahier, je l'ai toujours, et puis j'aime bien puiser dedans parce que je vois la progressivité qui a été la mienne au cours du temps, voilà. Et de voir aussi d'ailleurs les notes de tirage, de voir les contradictions, les erreurs que j'ai pu faire et les retours que je faisais sur ces tirages-là. Après, de voir ce que je pouvais sentir. Le fil conducteur qui est intuitif, qui y avait déjà au départ. Et donc ça, c'est un conseil pédagogique qui m'a beaucoup intéressé. Et elle termine en fait après en parlant de l'histoire du tarot. En fait, c'est aussi bien de voir quelques pages sur qu'est-ce que c'est que le tarot. Il y en a qui vont parler de l'Égypte antique, il y en a qui vont parler d'un courant ésotérique, etc. D'autres qui vont peut-être parler d'Orient. Elle en parle un petit peu de tout ça. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'elle a fait une hypothèse savoureuse qui est celle de présenter le tarot, en fait, comme une tradition orale, mais qui s'est inscrite sur carton durant la guerre de 100 ans. Où les sages de l'époque, voyant que Charles VI, à l'époque, roi de France, était un peu borderline, ils l'ont mis en fait sous le nez ces jalons de psychologie, ces jalons qui peuvent parler au subconscient, peut-être pour le structurer un petit peu. Elle est partie sur cette hypothèse-là, que j'ai trouvée plutôt... savoureuse, séduisante, donc pourquoi pas. Et fin du premier chapitre, qui est un chapitre en fait de présentation. Voilà, tu achètes ton tarot, tu te fais ta propre idée, etc. Les premiers tirages, une évocation de l'histoire du tarot, comment pratiquer déjà par toi-même. Et là, on va attaquer le deuxième verbe, le verbe savoir. Le premier degré, celui de la maîtrise du présent, enfin du passé, du présent, du futur. Alors avec un tel chapitre, on peut se dire, allez hop, elle va attaquer directement son truc sur la divination. Et bien pas du tout. Elle va commencer par ce qu'elle appelle la description volontaire. Et c'est très savoureux. Alors c'est pas une approche tout à fait psychologique, parce qu'en fait là, c'est de décrire. Et de décrire en fait tout, voilà, tout ce qui est autour de soi. Et je trouve ça très sympa. Je pourrais prendre des exemples. C'est-à-dire que tu vas prendre le tarot, et puis c'est un petit peu comme si tu... plutôt que de mettre des mots sur ce qui t'entoure, tu mets des... cartes, tu mets des lames en fait à la place des mots, et tu peux du coup décrire, là elle parle de radio, de reconstituer des faits, d'un article de journal par exemple, d'un objet, d'un film, d'un livre, d'une biographie, d'une série télé, d'une ville, d'une région, d'un pays, d'un monument historique, d'un personnage historique, etc. On peut tout décrire, voilà en fait. Et elle prend des exemples, elle prend l'exemple du téléphone. Donc si je prends l'exemple qu'elle suit, elle parle de la papesse pour décrire l'annuaire, 12 le pendu pour dire on est au bout du fil, 14 pour tempérance pour dire que le contact est établi, 20 pour dire que la communication se fait par le son.
si je prends un autre exemple, la voiture, elle va prendre 17, le chariot, pour la voiture elle-même, 10, le moteur, 14, la ceinture de sécurité, 2, pour la carte grise, le permis de conduire, l'assurance, la vignette, 8, pour le code de la route, le mat, le 22, pour l'autostoppeur. Voilà, elle décrit plein de choses, elle décrit même un film avec Steve Auster Stallone, et c'est savoureux comme tout. Parce qu'en fait, tu mets donc des arcanes sur des descriptions, etc. En fait, c'est un petit peu ça, le jeu d'utiliser les cartes pour exprimer ce que tu dirais toi avec des mots. Et donc, du coup, de pouvoir te constituer ton propre dictionnaire en regardant tout ce qui t'entoure de de la vie, comme j'ai pu dire, un téléphone, un film, etc. Et donc, du coup, d'appréhender des définitions, de façon concrète, toi, tu vas pouvoir appréhender la réalité de ce qui t'entoure, de ta vie. Et ensuite, dans ce chapitre, elle va parler de la divination dans l'espace et le temps. Donc là, c'est un concept assez fort. Elle écrit ça très bien, mais c'est un peu compliqué. Parce que la divination, c'est un concept intéressant, mais on dit beaucoup de choses dessus. Et elle prend l'angle de la psychanalyse pour en parler. Il y a des choses, elle ne le dit pas comme ça, mais on retrouve des thèses assez modernes. On parle de physique quantique, où tout est information, où tout est énergie et tout circule. Elle parle du subconscient personnel, qui est le stade supérieur de l'instinct de conservation, d'après Freud. Après, elle parle de subconscient universel, où ce sont des connexions de subconscient personnel. Et ça, c'est Jung qui en parle. Donc, cette histoire d'imbrication de subconscient personnel, universel. Et puis, elle évoque aussi, je crois que c'est une tradition hindoue, où elle parle de l'akasha, qui en fait représente les archives du monde, de l'intelligence universelle, où tout est, c'est une information qui est disponible sur tout, sur le passé, le futur. On est sur des conceptions cosmiques, mais en fait qui font sens. Elle en parle très bien. Et puis, si tu t'intéresses un petit peu à l'astronomie, à la cosmogonie, enfin des choses qui accompagnent l'idée de l'espace-temps. Où finalement le passé, le présent, le futur, c'est quelque chose de très linéaire et que évidemment c'est une vision qui est à déconstruire et elle en parle assez bien. Voilà. Après, elle va parler du présent où elle dit deviner le présent, de voyager dans l'espace où elle est plus tout à fait dans la description volontaire, ce dont je parlais tout à l'heure. Où tu vas pouvoir constituer ton propre vocabulaire. Elle parle en fait plus d'un accompagnement au quotidien. C'est-à-dire que là, on va un petit peu plus loin que la description volontaire. Tu vas travailler en fait ton quotidien. Par exemple, tu vas aller au cinéma. Eh bien, tu vas prendre le tarot pour décrire le film que tu vas aller voir. Tu peux avoir un rendez-vous professionnel et... tu regardes comment ça va se passer avant, de décrire la situation. Tu peux, par exemple, décrire une recette de cuisine avant de passer en cuisine, des choses comme ça. Et ça, c'est un accompagnement au quotidien qui dépasse en fait simplement le fait de décrire l'annuaire pour le téléphone, etc. Là, déjà, tu es dans une mise en situation. Et un accompagnement au quotidien. Tu ne fais pas de divination là-dessus. Et c'est encore une façon, sans le dire, de t'approprier l'outil. Et
Et ça, je trouve ça formidable. Et ensuite, elle attaque les différents domaines, l'amour, le travail, les relations sociales, l'argent, les déplacements, la météo, les animaux, des événements mondiaux et même l'histoire. Elle part même d'histoire. Et là, en fait, là, c'est le gros du bouquin, où elle va en fait te mâcher un petit peu le travail. Elle va évidemment te donner la définition de chaque lame dans chaque domaine, de façon droite ou de façon inversée. Et puis dans chaque domaine, ce que j'aime beaucoup, parce que elle a beaucoup développé ce truc-là, c'est que à chaque domaine, elle va te proposer un canevas, c'est-à-dire pour un tirage en croix. Elle va te proposer, dans les cinq positions, déjà une signification, on va dire, prémâchée quelque part, où tu vas pouvoir puiser dedans pour décrire. Si je prends par exemple, plutôt dans l'affectif, tu vas pouvoir prendre le portrait d'une personne. À gauche, la vie intérieure, affective, familiale. À droite, la vie sociale et professionnelle. En haut, la vie religieuse, métaphysique. En bas, la vie physique, la santé, le sport, la sexualité. Et au milieu, la direction générale de son élan intérieur. Après, ça peut être aussi, là c'est le portrait d'un être, mais ça peut être une vie, une rencontre, une vie commune, une scène, une brouille, une dispute. Ça peut être, là si je prends l'exemple d'une brouille, ça peut être le consultant à gauche, l'autre à droite, en haut, la cause de la dispute, en bas, les obstacles à surmonter, et au centre, l'évolution future. Donc ça peut être, ça peut être aussi le divorce, ou ça peut être un tirage de réconciliation. Là, on est sur le domaine affectif. Si je prends d'autres exemples, par exemple, sur ce qui est plutôt social, une orientation professionnelle, une analyse d'un travail, un changement de travail, une formation, la création d'une entreprise. Si je prends pour le domaine des affaires, de l'argent, ça peut être un tirage d'argent, d'achat. Ça peut être sur un débiteur, ça peut être une situation d'escroquerie, un procès, des jeux d'argent, un héritage. Si je regarde autrement, ça peut être des tirages sur un changement, un voyage, un déplacement, un moteur, un déménagement, le plan d'une maison, un tirage sur le camping. Ça, c'est pour les déplacements. Après, il y a aussi la météo, par exemple. Un bulletin météo pour une journée, pour un week-end, une période donnée. Les conséquences du climat sur un pays. Ça, c'est d'actualité. C'est pas mal. Et si je prends l'exemple de ce tirage-là, à gauche, la terre, les villages, les cultures. À droite, les routes, les voies ferrées, les moyens de communication. En haut, les aspects du ciel. En bas, les sous-sols, les nappes souterraines, les mines. Et au milieu, l'aspect général. Ça peut être la météo marine, voilà. Bon, après, ça peut être aussi sur les animaux, le portrait du toutou, sa santé physique, etc. Après, ça peut être aussi sur les plantes, la prévision d'une récolte, le projet d'une culture, travailler sur les plantes médicinales aussi. Et aussi sur la vie mondiale. Ça aussi, j'aime assez bien. On ouvre le champ un petit peu sur ce sur quoi on voit beaucoup de choses à la télé, par exemple. Ça peut être sur un personnage politique, sur les élections. Ça peut être sur un conflit international, une prise d'otage, l'assassinat d'une personne, un événement économique, un conflit social, un procès, le tournage d'un film, le montage d'une pièce de théâtre, la description d'un sport, d'une compétition. Ça peut être aussi sur la mode, la cuisine, le tricot, l'horoscope. Et donc aussi, ça peut être sur l'histoire. Ça peut être sur un événement, un lieu, une énigme historique. Et elle prend un exemple qui est savoureux, c'est celui de l'assassinat de Kennedy. Voilà, par exemple. Elle en fait un tirage et une description qui est très fine. Enfin, le troisième chapitre, le verbe vouloir. Le deuxième degré, la maîtrise de la connaissance. Après la maîtrise du passé, du présent, du futur, la maîtrise de la connaissance. Alors, déjà, le premier degré, c'est le gros du tirage, c'est le gros du travail. C'est le gros du travail, c'est le gros du livre. On peut en rester là. Là, ta matière, tu as tous les domaines, tu peux travailler dessus, et en avant Simone.
Là, on est sur la maîtrise de la connaissance, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, voilà, tu apprends des choses, tu te documentes, tu fais ta propre expérience et puis tu développes ton ressenti, tes connaissances. Et là, en fait, elle va te proposer de voir les arcanes mineures, les 56 autres cartes du tarot, la structure, voilà, en quatre familles, quatre outils. Elle va te faire les liens numérologiques entre par exemple les As, et puis donc les 1, et le Battleur, les 2 avec la Papesse. Elle va faire une évocation du Battleur aussi qui est sympa, qu'on retrouve pas toujours dans tous les tarots, mais de voir sur la table du Battleur 4 outils qui représentent en fait les 4 familles des arcanes mineures. C'est-à-dire que dès la première. L'âme du tarot sont présentés entre guillemets l'ensemble des arcanes mineures et de présenter les 10 numérales, les 4 figures et de proposer différents petits exercices aussi, dont un que j'aime assez bien, c'est de pouvoir utiliser en fait en thérapie de couple les figures, voilà, les 4 personnages de chaque famille. Donc 16 personnages et de raconter voilà l'aspect relationnel des gens entre eux à travers ces cartes-là. Alors elle parle des arcanes mineurs, mais elle va parler des couleurs, des gestes, de la relation justement entre tout ça, sous la forme de pentacle, sous la forme de méditation énergétique. Elle va parler aussi de l'aspect tarot médicinal, l'aspect santé, l'aspect méditatif et l'aspect un petit peu psychanalytique. Donc ça, c'est la maîtrise de la connaissance. Il y a des éléments intéressants. Les arcanes mineures déjà, les couleurs, où elle va dégager une influence venant de l'héraldique, de l'enluminure. Elle va détailler la symbolique divinatoire, initiatique et thérapeutique. Ça, c'est pas mal. Par exemple, le bleu, ça calme les nerfs, l'orange, ça stimule. En fait, tout autour de nous, il y a de la couleur partout. La publicité s'en sert beaucoup et ça a du sens. C'est important aussi de regarder les couleurs dans le tarot. Alors, ensuite, elle parle des gestes et ça aussi, la gestuelle est importante. Elle détaille voilà, de différentes façons, symbolique, énergétique, rituelique, yogi, magique. Et puis elle regarde la tête, les yeux, le profil, le torse, les bras, les mains, les jambes, les pieds, etc. Moi, j'ai retenu deux exemples, par exemple le pendu, 12, est dans une position de yogi. Elle parle aussi du pape, 5, qui est en fait dans un geste bénisseur. Et après, ce qui fait suite justement à la présentation des couleurs et des gestes, c'est le tarot pentacle. Voilà. De voir en fait une évocation des lignes de dessin, les proportions, les couleurs, qui sont faites pour capter et amplifier les impressions du subconscient. Et donc là, elle va te présenter chaque lame dans son côté réceptif, dans le côté réception, le côté émission et le côté domaine d'action. Et là, ça met aussi voilà, quelque chose d'assez fort que j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai plutôt travaillé avec le tarot d'Aleister Crowley sur les arcanes majeures, principalement parce que je trouvais qu'il dégageait quelque chose de puissant, de fort, un petit peu voilà, dans son côté pentacle. Voilà. Mais je ferme la parenthèse. Là, donc voilà, ça, c'est la continuité de quand tu étudies les couleurs, les gestes, les lignes de dessin, les proportions. Ça interpelle, c'est pas anodin. Souvent, les dessins, voilà, ont beaucoup plus de sens qu'on pourrait l'imaginer. Et ensuite, justement, dans le prolongement des propriétés pentaculaires des lames, il y a tout ce qui est justement dégagement d'énergie et j'allais dire interaction sur ce qu'elle appelle les centres énergétiques, hein, les chakras. Voilà, tu vois ce dont je veux parler. Et donc, elle va parler de méditation active, où on va
Elle prend l'exemple d'un consultant qui vient parce qu'il a une peur, la peur de son patron. Et donc elle va travailler avec le consultant sur l'image de l'empereur, renversée d'abord, puis de redresser l'image, de la regarder droite, et puis après de recouvrir avec des lames qui vont faire sens pour le consultant. Après il y a aussi la méditation énergétique passive, où là on est plus dans de la contemplation, où on s'abandonne dans l'image. Elle emploie un terme que j'aime bien, c'est d'être en mode Mary Poppins, où en fait tu vas rentrer et sortir de la lame de cet univers en deux dimensions, et puis tu vas vivre l'arcane en elle-même. Après, évidemment, toujours dans ce fil conducteur énergétique, elle va parler du tarot médicinal. Où là, elle prend les lames droites, qui sont là plus pour évoquer le soin, le traitement ou l'organe à surveiller. Elle fait des correspondances aussi avec la tradition kabbalistique, un courant ésotérique hébraïque, issu de travaux d'un tarologue. C'est une école de tarot, le tarot kabbalistique. Je pourrais évoquer un bouquin que j'ai aussi, faire une présentation du tarot kabbalistique de Robert Wang. Mais il y a Eliphas Lévy aussi, au début 20e, je crois, qui parlait de ça, voilà. Et les lames inversées, qui elles sont plus là pour décrire un problème. Et elle parle à l'image du pendu, en fait, qui est une lame de santé pour beaucoup de tarologues d'ailleurs. Après, elle parle du tarot plus méditatif, de tarot où on va faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, les conséquences du passé, on va réfléchir là-dessus. On va voir les points positifs, les points négatifs, voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut prolonger, développer, et puis ce qui est à arrêter, ce qui est à corriger, ou ce qui est à modifier. Donc on est sur un bilan du présent, voilà, elle appelle ça comme ça. C'est en fait une approche qu'elle conseille aussi quand tu es dans une consultation et que ça avance plus. Là, tu poses les choses et tu vois ce qui passe, ce qui va pas, le bémol. Et puis, de faire ce bilan, en fait, à date clé, à ton anniversaire, au Nouvel An, ou à Noël, quand tu veux, lors de ta fête, ou etc., etc. Et pour ça, en fait, pour ce bilan du présent, elle a un petit exercice savoureux, c'est en fait de présenter, donc, les lames qui sont sorties, et puis après de les retourner. Et à toi de redessiner la carte, la lame que tu as visualisée. Donc c'est un travail de mémoire qui est intéressant, parce qu'en fait il y a aussi l'aspect psychologique sur le dessin lui-même. Qu'est-ce qui va sortir de ce dessin? Qu'est-ce que la personne va retenir? Comment elle va s'exprimer par le dessin? Si par exemple dans le dessin une personne va dessiner pour la papesse, elle va dessiner un bouquin, ou elle va dessiner un voile, ou elle va dessiner simplement un personnage avec une grande couronne, ou une sorte de prêtresse emmitouflée de plusieurs couches de vêtements. Alors ça me fait penser à autre chose aussi, mais là c'est une parenthèse que je devrais pas forcément évoquer. C'est de parler de la Golden Dawn, en fait. Ça me fait penser à ça. C'est un courant au début 20e où les membres de cette pseudo-secte, moi j'en sais pas beaucoup, mais en tout cas, ce qui était sympa, c'est que les membres étaient amenés à redessiner le tarot. Donc mettre eux-mêmes des éléments. C'était pas simplement de faire un dessin fidèle d'un arcane, mais d'y mettre des éléments qui lui parlaient, d'y mettre le symbole du yin et du yang, c'est un truc chinois, mais de le mettre dans le tarot, ou de mettre un dragon, de mettre un serpent par-ci par-là. Et ça, c'est une façon aussi de redessiner. Donc, toi, si tu as le goût du dessin, ça peut être sympa aussi au fur et à mesure de travailler ce que tu retiens déjà, l'aspect mémorisation
du tarot, mais aussi le côté expression du tarot. Ce que toi, tu as envie de mettre aussi sur l'image, sur l'iconographie. Comment tu l'appréhendes pour toi-même. Fin de la parenthèse. On est sur, après, l'aspect un petit peu énergétique, médicinal, psychologique, méditatif. Il y a le tarot submental, le tarot un petit peu d'autopsychanalyse. Elle en parle comme ça, où en fait, là, c'est le tarot médicinal adapté au psychisme humain. Bon, là, tu vas faire trois paquets de ton jeu de tarot. Il y a des cartes qui ne vont pas te parler, d'autres qui tu ne vas pas bien les sentir, qui vont te laisser un goût amer, d'autres qui seront même pour toi très positives. Et puis donc tu vas travailler là-dessus. Tu vas prendre le paquet des cartes entre guillemets négatives qui ne te plaisent pas. Et tu vas t'exprimer dessus pourquoi elles ne te plaisent pas. Tu vas faire pareil avec le paquet de cartes positives, des cartes qui te parlent. Évidemment, celle qui est le paquet qui ne te parle pas, tu t'en sers pas, tu mets de côté. Et donc après, elle propose une reconstitution de tout ça, en fait, pour traiter le problème. Pourquoi il y a des cartes qui te parlent plus et d'autres qui ne te parlent pas du tout, qui te font peur. Et elle propose un jeu sympa, c'est le jeu des marionnettes. De mettre en fait deux cartes côte à côte et de les confronter, de faire un relationnel entre ces deux cartes-là, comment elles se gèrent entre elles. Donc ça amène la personne à s'exprimer, à se projeter, à dégager quelque chose. Et elle propose un jeu de rôle, où là, justement, elle propose au consultant de prendre une carte et de dire, cette carte, c'est toi, c'est vous. Exprimez-vous, présentez-vous, comment ça vous parle, puisque c'est vous. Là, c'est pareil, tarot psychologique, on laisse la personne s'exprimer, mais toi, tu peux le faire pour toi-même. C'est un très bon exercice aussi. Je pense que tu verras avec le temps, l'expérience, que peut-être tu t'identifieras à une lame de tarot. Et puis, au cours du temps, ça sera peut-être une autre, etc. Et ça exprime en fait qui tu es, puis que tu évolues, et c'est un peu à l'image du tarot. C'est un cheminement. Et elle développe encore plus ce tarot psychologique, où en fait là, elle évoque un bouquin qui s'appelle Le Château des Destins Croisés d'Italo Calvino. Je ferai une présentation de ce livre aussi parce qu'il est sympa, c'est plus un roman qu'un manuel de tarot. Mais il est sympathique parce qu'il présente des gens qui arrivent dans un château et puis dans la grande pièce à l'entrée, il y a une grande table, il y a deux jeux de tarot et puis qui vont bien servir parce qu'en fait les personnes sont muettes et il faut qu'elles s'expriment, qu'elles parlent de qu'est-ce qui fait qu'elles soient là, qu'elles sont arrivées là, etc. Et donc il y a le fait de raconter une histoire avec les cartes, un peu comme une bande dessinée, de façon encore plus forte que de faire simplement une description volontaire, ou encore plus fort que de faire un accompagnement au quotidien, comme j'ai pu évoquer précédemment. Donc il y a ça, après elle fait aussi des correspondances avec la musique, avec l'astrologie, elle propose des jeux de patience pour réfléchir. En fait, utiliser le tarot un petit peu comme un tarot classique, ou même faire des jeux de réussite, et donc quelque part je dirais de magnétiser son jeu, de se l'approprier de façon ludique comme un tarot classique. Après, le dernier chapitre, c'est le verbe se taire, c'est le troisième degré, c'est la maîtrise de la sagesse. Donc là, encore plus que le deuxième degré où c'était la maîtrise de la connaissance, où ça vient avec le temps, où c'est pas forcément obligatoire que dès le début tu saches tout sur les aspects méditatifs, psychologiques, les couleurs, l'énergie, etc. Là, c'est encore plus loin. C'est-à-dire que elle va te proposer le tarot avec la radiesthésie, l'emploi d'un pendule, le tarot de façon plus philosophique en fait, où tu vas utiliser le tarot pour décrire un discours, un texte, un bouquin.
Elle prend l'exemple, elle fait la description d'un livre que j'adore, c'est le Tao Te Ching de Lao Tzu. Enfin, voilà. Et après, elle travaille la philosophie de Descartes, en fait, où elle fait un protocole scientifique pour aborder le tarot. Elle évoque aussi la Kabbale, ce dont je parlais tout à l'heure, cette tradition-là ésotérique hébraïque, qui se base sur un schéma de 10 points, on va dire, un arbre de vie. Et ces 10 points, en fait, sont raccordés sous la forme de sentiers. Il y en a 22, et donc on fait la correspondance entre les 22 arcanes majeures et ces 22 sentiers. Et ça, c'est tout un courant, toute une école. Elle parle de ça, elle évoque ça. Elle parle aussi de l'iconographie chrétienne. Qu'est-ce qui fait que dans le tarot, il y a une papesse, il y a un pape, l'image du 21. On reconnaît parfois sur le fronton de cathédrales, d'églises, la représentation de Jésus et des quatre évangélistes. Et là, ça correspond assez bien à l'arcane 21. Donc elle parle de tout ça. Elle termine ce chapitre de maîtrise de la sagesse par une charte du devin, qui est une sorte de serment d'Hippocrate, voilà, comme pour les médecins. C'est solide, c'est se dire ce à quoi on s'engage. Une sorte de code de déontologie. Et c'est important parce que ça met du sérieux aussi quand même dans... ça met de la valeur et du respect par rapport à l'outil. Elle prolonge tout ça avec aussi des prières qui peuvent t'accompagner avant ou après une consultation pour élever peut-être tes pensées et puis t'accompagner dans ta pratique. Ça c'est sympa. Principalement ce qui ressort de ce bouquin. J'ai quand même fait une belle tartine. C'est un livre qui, moi, m'a parlé, m'a plu. J'ai appris beaucoup de choses et même si moi, dans ma pratique, au départ, j'étais surtout sur des lames droites, me confronter à sa pratique avec des lames inversées, ça n'était pas forcément facile, mais c'était un apprentissage savoureux. Je pense que c'est un jalon important au début de l'apprentissage du tarot, de s'approprier cet aspect-là, comme il y a des pratiques, par exemple, je pense à l'école de Krisadar, qui pareil, fait des lames droites et des lames inversées. C'est pas vraiment ma pratique, mais il y a des éléments très intéressants sur la numérologie, sur le vocabulaire qu'il emploie pour décrire les choses de la vie. Et donc, il y a des livres comme ça qui, même si toi, tu as ta pratique personnelle, je pense que c'est ça aussi vers quoi il faut tendre, c'est de ne pas s'enfermer dans une pratique unique, mais de s'inspirer, de grandir, de progresser vers ce qui est en fait soi. Et ce bouquin-là, moi, il m'a apporté beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais te le présenter. Donc, Et je t'en proposerai d'autres. À bientôt pour d'autres présentations de livres.